Journal de bord numéro 3. Le moral semble être meilleur. De nouveaux plans me sont parvenus, nécessaires pour établir une éventuelle communication m'a été transmise. Est-ce que mes messages ont atteint une destination? Ça serait difficile à dire. J'ai dû aller explorer certains endroits un petit peu nouveaux pour lesquels des ressources me sont fournies, telles que l'iridium, apparemment ce qui me permet d'établir un moyen pour chauffer la planète, chauffer l'endroit où je me trouve. Il faudrait qu'un processus pour chauffer la planète me soit fourni comme ça. Prochaine étape, construire l'antenne, améliorer éventuellement les panneaux que j'ai ou en rajouter. Et trouver un moyen de faire un panneau de un écran de communication. Le peu d'espoir que j'avais semble être revenu, mais une surprise peut en cacher une autre. Un nouveau plan m'est parvenu également. Devrait permettre d'alléger un petit peu péché. Oui et non. C'est sûrement pour essayer de résister un peu plus. Un plan pour améliorer mon niveau d'oxygénation quand je pars en extérieur. Pas un mal en soi. Ça devrait me permettre éventuellement d'aller explorer un des vaisseaux qui est encore en extérieur. Chose étrange que j'ai pu noter, un coffre avait été trouvé, mais je ne sais comment, contenant un petit peu d'uranium et également une sorte d'effigie et une sorte de super alliage. Je ne sais trop à quoi cela correspond, mais si cela peut m'être utile et que je puisse l'utiliser, autant faire en sorte que cela soit productif, utilisé et c'est juste un élément décoratif, bah, pourra servir d'élément de décoration dans ma planète d'ivoire. Planète d'ivoire, façon de parler, bien évidemment. Sur ce, je. Pas grand-chose à dire. Même si j'essaye toujours de comprendre le système de cette planète avec ses différents éléments visibles, différentes planètes ou différents éléments ou systèmes. J'ai encore des choses à apprendre et à découvrir, mais l'envie est revenue, mais je reste toujours aussi mitigé par rapport à ce qui m'arrive, ce qui se passe, et surtout à ce qui va advenir. Un autre endroit que j'ai exploré,
un peu plus au nord, nord-ouest de ma position, qui permet de... qui rend la zone un peu plus bleutée, nous donne un aspect différent de la planète. Encore une curiosité que je ne saurais me l'exprimer. S'avère que cet endroit est une bonne source pour trouver de l'aluminium. Sûrement que la nécessité d'accéder à ces éléments me sera fortement nécessaire. Je profite de ma petite virée pour en récupérer quelques éléments, quelques matières. D'ailleurs, je dois constater que ça fait un petit moment que les astéroïdes ne sont pas tombés. J'en parle maintenant, mais je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour revenir. Mais une chose est sûre, c'est que c'est fort possible que ça revienne. J'ai sûrement encore beaucoup à découvrir sur cet endroit totalement inconnu. Mais à voir comment cela se passe. Comment je vais réussir à surmonter ou à réfléchir par rapport aux différents éléments. Réagir surtout. C'est surtout ça, survivre et agir. Et agir en conséquence. Une chose est sûre, c'est que si je trouve un moyen de partir de cet endroit, vous pouvez être sûr que je le ferai. Sans l'ombre d'un doute. Fin de communication.